La décima. Antoine de Caunes sera le maître de cérémonie des Césars pour la 10e fois. Une soirée qui sera organisée ce vendredi 25 février à l'Olympia et pour laquelle le présentateur a déjà prévu de belles surprises. Et pour l'aider dans sa tâche, il s'est entouré d'une petite bande d'humoristes et d'auteurs. Il y a Bertrand Delaire, directeur artistique chez Canal+, avec qui je travaille depuis longtemps et qui était aussi auteur de service après-vente des émissions d'Omar et Fred. Il travaille en binôme avec Martin Darondeau, qui faisait Martin et Cordy, a indiqué Antoine de Caunes. Mais ce ne sont pas les seules personnes qui épauleront l'ancien acolyte de José Garcia. Dans l'équipe, il y a également Marina Rollman, une humoriste suisse que j'adore et qui a une plume extraordinaire, Charline Roux qui est un peu mon bras droit à la radio qui est une fan abolie des cérémonies, et le scénariste Thomas Bideguin, avec qui j'avais déjà travaillé sur des cérémonies précédentes, a-t-il poursuivi. Des collègues qui doivent parfois un peu calmer Antoine de Caunes, qui ne manque jamais d'idées originales pour animer la cérémonie. Antoine de Caunes, j'ai dû renoncer, la mort dans l'âme, à cette idée il se méfie toujours de mes idées à la CN, a-t-il ainsi confié auprès de nos confrères. En 2011, Antoine de Caunes avait par exemple fait monter sur scène une phoque, pour rendre un hommage hilarant à Quentin Tarantino, lauréat d'un César d'honneur ce soir-là. Et pour cette édition 2022, le maître de cérémonie avait pensé à des animaux encore plus imposants, des vaches. Mon plus grand regret, si est-il que les Césars correspondent souvent au salon de l'agriculture, donc je voulais faire un grand tableau commun avec les charolais primés et les acteurs césarisés, et faire culture et agriculture enfin réunis sur un même plateau. On m'a objecté que ce n'était pas possible, que le plateau allait céder sous le poids des charolais, et que ça allait être un désastre absolu. J'ai donc dû renoncer, la mort dans l'âme, à cette idée, a déploré Antoine de Caunes, qui a un faible pour l'espèce animale. Moi j'aime bien faire venir des animaux, mais à chaque fois, on me dit que ça ne va pas être possible, on me frustre. Si est-il vrai que les animaux, il faut s'en méfier, on ne sait jamais, a-t-il tout de même reconnu. Loading widget.